Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je débute le vlog du coup de ce DP. Je suis désolée, je ne me suis pas préparée. Oh, flûte, ça s'est décollé ça. Oh, pourquoi ça me fait ça? Bon, c'est pas grave, voilà, c'est recollé. De ce DP donc que j'ai acheté sur Vinted, c'est un 30 par 40 de bord inclus, donc 30 par 40 juste l'image, col coulé, diamant rond. Il y a c'est des diamants ronds et il y a des diamants phosphorescents ou fluorescents, je sais pas comment on dit. Donc voilà, alors ce qui va se passer là en premier temps, c'est que je vais vous parler un peu de ma semaine qui vient de passer du coup, et après on fera des questions. Squad quiz, si je ne me trompe pas du terme, parce que je suis méga en retard dessus ces questions. Donc, pour rappel, pour ce stylet, je n'ai pas de code. Cet aimant, si je retrouve la boutique, je l'avais acheté sur Vinted, mais elle a une boutique sur Internet. Donc, je vous mettrai le lien. Ma barquette, et pour le multiplaceur, je prends un stylet comme ça, avec un embout de 3. Voilà, un grinder, si besoin que j'ai dans un swap. Et la cire des kits, hein, voilà. Je peux pas vous dire plus. Le washi tape, est-ce que j'ai un lien ou pas? Pour les rouleaux de washi tape, non, je crois pas. Alors, je sais pas, du coup, pour les washi, là, j'avoue que je suis un peu perplexe sur la question, je ne me souviens pas. Bon, allez, go. Donc, je vais juste prendre des couleurs. Désolée, hein, je parle pas, je prends juste mes couleurs. On va faire ça. Du L, j'en ai pas. Du G, j'en ai pas sur ces champions. Du P, j'en ai. Je sors juste mes couleurs. Hein. Du J, j'en ai pas. Du N, j'en ai. Allez hop, du H et du K, j'en ai. Je vais peut-être les mettre là, du coup mes couleurs. Voilà. Du A, j'en ai pas. Et ça c'est quoi? Et du. C'est quoi ça? 9. J'en ai. Donc c'est le 5200 qui est phosphorescent ou fluorescent, je sais pas du tout aussi. Donc voilà. Bon, c'est qui part. Alors, la semaine qui vient de passer. Alors, ma mère, sachant qu'on a la crève. Ma mère, de la semaine qui est passée, elle a pas été travaillée. Aujourd'hui, demain, elle y va pas. Après, je sais pas. Parce qu'on est malade. Alors, c'est pas le Covid, hein. C'est testé. Ma mère elle a une bronchite. Moi j'ai un rhume. J'ai le nez qui coule et c'est très chiant. Ensuite, ouais, donc moi je suis enrhumée. Je suis désolée si vous m'entendez mal là, mais il y a le bus. Parce que j'ai ma fille Edouard. Je vais me faire un peu la sorcière. Ensuite, donc lundi, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Alors déjà, lundi, en fait, on est resté toute la semaine à la maison. On est sorti que samedi, faire 2-3 courses à Leclerc, parce que, voilà, il fallait un petit peu remplir les frigos. Euh,
Ouais, sinon on est resté à la maison, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, on n'a rien fait de spécial, on est resté tranquillement à la maison. J'ai fait mon DP, j'ai aidé ma mère à faire du ménage. J'ai sorti mon chien, voilà. Pour cette semaine, c'est tout ce qu'on a fait, vraiment. Là, la semaine qui arrive, donc sachant qu'on est le lundi 27, hier c'était mon anniversaire, du coup. Vous voyez, je renifle, je suis désolée, mais j'arrête pas de me moucher. Et c'est chiant. Donc voilà. Demain, bah, c'est ma mère, elle a sa paye. Parce que voilà, c'est la fin du mois pour tout le monde, hein, sur toute la France. Ou sur toute la Terre, même. Je pense. On ira faire des courses. Sinon, bah, ça attendra. Hein. Mais, non, demain, déjà, on doit le mettre sans, du coup. Ma mère et moi, demain après-midi. Je suis désolée. Hein. Mais il faut un peu d'air, donc. Voilà. J'ai quoi? Alors après. J'ai passé des commandes. J'en ai passé une sur Vinted. J'ai payé 1,68€. Vous allez me dire, ouais, ça se peut pas et tout. Même si tu as payé un DP que 1€. Et bien, si ça se peut, parce que le DP faisait 2€, ça me faisait 4,68€. J'avais 4€ dans mon porte-monnaie Vinted. Donc, voilà. J'ai payé que 1,68€. Après, je me suis commandé sur Shein. Alors, je ne sais pas si vous dites Shein, Shein ou Shein ou voilà. Hein. Bref. Voilà. Bon, ben on va recommencer. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai parlé, je me suis trompée de symbole. On faisait le H, pas le K. Enfin, bref. On va remettre ça sur les H. C'est pas grave. De toute façon, recommencer, c'est toujours travailler. Donc, refaire et défaire et refaire, c'est toujours travailler. Mais c'est chiant. Heureusement que c'est de la colle coulée. Hein? Parce que ce serait de la colle double face. Je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, ben, j'ai fait la première impression de ce DP. Ça, c'est quoi? C'est du... Non, ça, c'est du H. H, là, c'est bon. Ça, ça va aller là. 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 J'ai fait des bêtises. Donc, voilà. Cette semaine, on va rien faire de spécial. Semaine prochaine, on va aller faire les mini courses. En fait, là, on est en train de vider le congélateur. On mangeait tout ce qu'on a dans le congélateur, quoi, ces jours-ci. Parce que nous, on part en vacances, mais la semaine prochaine, on part le 9. Le juillet jusqu'au 16. Donc, voilà. On part à la mer avec un ami et ma mère, mon pote. Et du coup, que je décale aussi, du coup. Tac, ça c'est quoi? Ça c'est du H, on est bon. Ça c'est du H, on est bon. Ça c'est du K, ça va là. Ça c'est du K, ça va là. Là c'était sur le K, ça va là. Alors je suis désolée, je remets juste les trucs correctement.
Et choc. Bon, normalement, on est good. H et H. Et ça, H. C'est bon. Non, mais du coup, on n'a pas fini avec cette couleur. Voilà, donc du coup, là, on est en train de vider le congèle. Comme ça, le 8, on pourra le déchiffrer. On ne sait pas comment on va faire parce que le frigo il est assez vieux. Et l'autre jour, il y a quoi? Il y a un mois et demi, ma mère elle a été en train de nettoyer. Non, il n'y a pas un mois et demi. 3 semaines? Ouais. Quand on l'a remis, il a mis un quart d'heure pour se remettre en route. Donc, comme ça, au moins, quand on part, si on pouvait les. C'est tout nickel. Ouais, donc du coup, lundi prochain, on sera le 4. Ma mère, si je sais pas si elle repartira travailler, on va le savoir demain. Parce qu'elle est très, 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 très fatiguée. Alors, non, ma mère, c'est pas du genre à être une grosse feignasse, à se remettre en arrêt maladie pour un rien. Je dis ça pour les gens qui penseraient ça, qui s'amuseraient à écrire ça dans les commentaires. Je suis désolée, j'écoute parce que je crois que ma mère m'appelait, en fait. Pour être honnête avec vous. Donc voilà. Ouais, donc lundi je vais faire ça. Mardi j'irai. Mais si ma mère est là, on ira toutes les deux, sinon j'irai toute seule. Faire mes courses parce que on a. En fait, ce qui s'est passé cette semaine, on était tellement fatigués. Même là, on a encore achevé. La preuve, c'est que je suis encore en pyjama. Hein. Voilà. Ce matin, j'ai sorti mon chien en pyjama. Et c'est qu'on est tellement morte de fatigue. On a eu la faim, donc on a tapé beaucoup dans la réserve. Bon, après, hier, on a fait des découvertes. Hein. Par exemple, on a des tonnes et des tonnes de pâtes. Donc, hein. Non, alors, on n'en a pas acheté quand, soi-disant, il y a eu, je sais pas quoi, la cause du blé et tout qu'on pensait. C'est qu'on en a acheté un petit peu tous les mois. Sans faire attention qu'on en avait déjà plein. Donc, voilà. Je vais même pas regarder comment il s'aligne, c'est dur. Il y en a, c'est le mien. Hein. Ouais, il s'aligne bien. Je sais pas si c'est de l'acrylique ou de la résine. C'était pas écrit sur les boîtes. Et du coup, là, maintenant, on fait le cas. Donc, voilà. Mardi, ouais, je vais faire les courses, un petit peu de courses pour la réserve. Et le 7, on ira faire les courses parce que on ne compte pas acheter en fait, puisqu'on y va en voiture. Et vu qu'on va s'arrêter toutes les 2 heures, quoi. Comme normalement, la loi nous y oblige. Et qu'on part quand même avec quelqu'un qui est à mobilité un peu réduite. Qui doit un peu se lever toutes les 2 heures. Voilà. Et puis pour mon chien aussi. Même si mon chien, tant qu'il est avec nous, on a un peu rien à faire du reste. Donc voilà. Ouais, donc le 7, on va aller faire ça. Le 8, ça va être. Le 7, c'est le ménage et les courses. Le 8, ça va être les valises. Et le 9, et ben. Se reposer jusqu'à 10h. Vers jusqu'à 9h, je pense. Parce que je pense qu'il va arriver vers 9h. 9h30, 10h. Parce que ma mère lui a dit tu prendras le petit déj à la maison. On partira après. Normalement, c'est goupillé comme ça. Hein. Après, il y aura peut-être des changements. Je n'en sais rien. Voilà, donc on part. Ouais. Donc on part une semaine à la mer, ça va nous reposer, ça va faire du bien à tout le monde. Bon là j'attends un mail de ma fac pour pouvoir faire mes papiers pour faire mon école à distance.
Du coup, j'ai choisi à distance et en 2 ans. Voilà. Donc, je pourrais vous tourner des vidéos. Mais montrer mon école, ma santé, mon école, ma famille passera avant tout. Donc, voilà. Maintenant que je vous papote là, un quart d'heure. Parce que je ne compte pas non plus faire un vlog énorme. Parce que je suis assez fatiguée. Et dans le cul, j'ai la crève. Alors, on pense que ma mère a eu le Covid, mais comme moi, négative. Moi, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Il y a quoi? Pas un an. Non, c'était cet hiver, ouais. J'avais très mal dans le dos quand je respirais. J'avais un petit point. Et mon médecin ne trouvait pas. J'ai passé une radio, il n'y avait rien. J'ai passé une IRM. Il m'a dit, ah ben, vous êtes en fin de Covid. Ben non, mes tests, ils étaient tous négatifs. Ah, mais on peut avoir le Covid, avoir des tests à chaque fois négatifs. Ah bon. Et ma première nouvelle. Donc, ma mère, on pense qu'elle a eu pareil. Donc, non, concrètement, on va faire la troisième, la quatrième dose, du coup, parce qu'on a fait la troisième dose, ça fait un bail. On la fera le 1 septembre ou en rentrant des vacances. On est entre les deux. Voilà. Voilà. Donc. Oui, j'ai passé des commandes. Je passe du coq à l'âne, hein, je sais. Sur chaîne, j'ai commandé 2 DP. En détail, c'est des petites. Hein. Je crois que c'est 15 par 20. Un DP sur Vinted en 30 par 40. Je pense que ça vient de chez Action. Voilà. Il y a des personnes pour mon DP vierge, du coup, qui ont envoyé des diamants. Ce qui est cool. Ce qui est bien. Et là, maintenant, je rejette plus de DP dans le moment. Parce que j'ai une bonnette pleine. Et ensuite, j'achèterai que des... Quand j'aurai un peu évacué mon stock. Que des étoiles vierges pour évacuer mes diamants ronds et mes diamants carrés. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, voilà. Je pense qu'on va passer aux questions... Squad quiz. Je regarde par la fenêtre ce qui se passe. Ouais, je fais ma commère. Mais bon. J'aime bien regarder par ma fenêtre. Donc, voilà. Donc, ma mère, dans tous les cas, si elle va travailler la semaine prochaine, ben, le mercredi, elle ne sait pas si elle ira travailler. Le 5, c'est le mardi, oui. Non, le 6. Le 6, elle ne sait pas si elle ira travailler, parce que vu qu'il y a des grèves de train ce jour-là, ben, que ma mère n'a pas le permis. À moins qu'on lui trouve un blabla car, mais après, on n'a pas trop confiance dans ces trucs. Même si c'est, je pense, c'est sécurisé, hein. Je pense pas qu'il y ait des... Bref. Je n'en sais rien. Donc on verra. Ma mère, du coup, elle est en vacances comme les enfants le 7 juillet. On est contente parce qu'on a eu de bonnes nouvelles. Alors, voilà, de nouvelles perso. Donc voilà. Ce matin, là, on a eu de très bonnes nouvelles. Donc, merci. Les bonnes nouvelles. Voilà quoi, c'est pas à propos de ma famille ou quoi, c'est à propos d'autres choses. Hein. Une bonne nouvelle famille, on en a une, mais j'en parle pas. Et je n'en parlerai jamais. Et vous ne verrez jamais ce que c'est. Sauf si vous allez sur mon Instagram, que ma soeur m'autorise à mettre quelque chose un jour. Mais voilà.
Donc aussi, j'ai pris contact avec Cara Art, parce que je vois que tout le monde fait des partenariats avec eux, donc j'ai voulu essayer. Et ben, vous n'avez pas assez d'abonnés. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous parler du coup du... Parce que, donc, les Folies d'Emma, qui est sur Facebook, qui est un compte... ouais, donc sur Facebook, elle a en fait... comment dirais-je? Elle a proposé sur Facebook des petits défis, mais pas sur Facebook, c'est sur Discord. Donc je lui ai demandé si je pouvais en parler, car on cherche des personnes, même, hein, plus on est de fous, plus on rit. Donc on cherche, voilà, on est à la recherche de quelques personnes. Donc comment ça se passe? Donc je vous mettrai le lien, parce qu'on m'a dit que je pouvais. En barre de description. Donc comment ça se passe? Donc, vous arrivez sur le Discord. Voilà. Et il y a... Alors attendez, il y a TRO. C'est des petits groupes en fait qui ont différents noms. Il y a TRO Feu. Et je crois qu'il y en a un ou deux autres. Et en fait, Emma va vous dire, vous êtes dans le groupe, par exemple, allez, je dis au pif, O, dans le groupe Terre. Et tous les mois, à partir de septembre, il y a un défi. Septembre, c'est automne, par exemple. Moi, comme vous avez vu, j'ai pris le petit renard que je vous montre en unboxing. Donc, ça fait tout le, non, tous les deux mois. Attendez, tous les mois, tous les deux mois. Non, tous les deux mois. Septembre, octobre, c'est automne et autre chose. Octobre, novembre, c'est Halloween et je sais pas quoi. Décembre, c'est Noël et autre chose. Bref. Et hiver, je crois. Bref, voilà. Et en fait, on fait des défis. Donc, bien sûr, vous êtes. Je pense que vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis qu'il y aura. Hein. Je crois qu'on n'est pas obligé. Moi, je les ferai tous parce que vu les tolls que j'ai, toutes les tolls que j'ai à faire, croyez-moi. Que je vais les faire. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Donc je vous mettrai le lien. Donc si j'oublie de vous mettre des liens aussi, par exemple du groupe, si j'oublie, vous me le mettez en commentaire et je vous mettrai le lien. Hein. Vous dites coucou, t'as oublié le lien par exemple du groupe Discord de Emma. Coucou, t'as oublié le lien de ta barquette. Coucou, t'as oublié le lien de ça, de ci. Voilà. Alors, on est de nouveau à 80 000 abonnés. Je vais faire des vidéos parce qu'il y a une personne apparemment. Et je te remercie de t'être abonné à moi qui aime bien les vidéos de tuto, feuilles de présentation, fiches de révision. Voilà. Mais fiches de révision, j'y ferai en octobre quand j'aurai repris, du coup, quand j'aurai fait ma rentrée, quoi. Mais là, ces jours-ci, si j'ai le courage et si j'ai le temps, parce qu'on a plein de paperasse à faire avec ma mère. D'ailleurs, j'ai un petit mon dossier tout à l'heure. Donc voilà. Donc je pense qu'on va passer aux questions squat quiz maintenant. Je vous ai parlé des mages, je vous ai parlé de ce que j'avais fait comme commande. J'ai reçu des diamants AB 5200, mais bon, ça c'est bon. Je vais pas vous faire vous les montrer, hein, vous savez à quoi ça ressemble, c'est... Voilà. Donc, on va passer aux questions. Squad quiz. Alors, les filles, je suis désolée, j'ai pas écrit carrément les questions. Parce que j'ai pas d'ordinateur à côté de moi, j'ai rien, j'ai pas écrit directement les questions. Vraiment les vraies questions, j'ai abrégé un peu, mais c'est vraiment vos questions. Donc voilà. C'est vraiment les questions du squat quiz. Donc, critères d'achat d'épée. Alors, mes critères d'achat d'épée, je vais juste prendre une couleur. C'est quoi ça? Le P. Alors, mes critères d'achat d'épée. Alors, j'ai plusieurs et différents critères. Alors, déjà, premier critère, que ce soit de bonne qualité. J'ai dit que c'était le P. Donc, que ce soit
de assez bonne qualité parce que moi je prends que sur Shein, Amazon, voilà, etc. etc. Que ce soit pas trop cher. Car oui, j'ai pas le moyen de m'acheter des DP comme sur DIY Shop, même Carhartt, hein, j'ai pas les moyens. Non, je fais des études, je paye mes études, même si ma mère m'aide. Hein. Voilà. Donc voilà. Et que ce soit quand même de assez bonne qualité. Après, c'est clair, je peux pas avoir des machins, des diamants en résine comme chez Diamond Art Club. Voilà. Si je peux aussi avoir de la colle coulée que de la colle montée ou colle double face. Non mais c'est les voyous du quartier, je suis désolée. Hein. Mais en plus déjà, je reviendrai à la petite parenthèse, mon volet est cassé parce que le jour on a eu un coup de grêle. Du coup ben, ça s'est cassé, donc revenons aux questions. Mes critères à défait, c'est ça. Après, pour les images, hein, c'est au feeling, ce que je vois qui me semble. Ça peut être les animaux, comme ça peut être les fleurs. Comme... Donc voilà. Après, conseils pour les débutants en DP. Alors, les conseils pour les débutants en DP. Commencer par du diamant rond. Je trouve que c'est plus facile. Après, c'est à votre guise. Si vous voulez commencer par du carré, vous commencez par du carré. Mais le plus facile, c'est du rond. Vous achetez des sachets zip. Ou en trouver sur... Des fois, il y a des personnes qui en donnent hein, sur Facebook. Quand on l'obtiendrait, si jamais vous voulez... Si jamais ça, vous aimez ça, bah, dès après avoir fait votre première toile, hein, je parle. Travailler en sachet, moi je sais que j'ai commencé directement avec un pilolier. Voilà. Et après, vous avez tout dans le kit. Hein, vous avez stylet, colle, barquette. Voilà. Hein. Non, j'ai fait la question 25 et la question 26. Question 27, ma DMC préférée. Alors, j'en ai deux. Mais ma préférée, la chaîne préférée, c'est la 819. 819, oui, le rose pâle. J'adore cette DMC. Voilà. Le 28, ce qui m'énerve le plus dans le DP. Alors. Déjà dans les cols double face, avoir des rivières. Est-ce que j'en ai encore du P ou pas? Non. Ça c'est pénible. Bon après je l'ai défait, je m'en fous un peu, mais bon c'est chiant quoi. Mais ma chaîne elle a libre de droit. Bon moi après ma chaîne elle sera jamais monétisée. Hein. Donc voilà. Parce que je vais pas me faire de l'argent sur votre dos. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, pour le moment, ne sera jamais monétisé. Du haut. Ouais, donc les rivières, cette histoire-là de machin libre de droit. Et quand on a beaucoup de déchets, ça aussi, c'est quelque chose qui me... Et quand on manque d'une couleur. Mais ça, je déteste. Ou alors, quand il nous arrive un petit accident, comme j'ai fait hier soir dans la revue du DP précédent. Quand on fait la revue, que je fais tomber mes déchets. Tout par terre. Après, il faut que je fasse ma chambre, je la refais de ma mère. Elle est pas sale, hein. J'ai juste rangé mon linge, j'ai passé un coup d'aspirateur et de serpillière. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Voilà.
Question 29. Toi le fait en 2021. Alors je vais vous les montrer. Il me semble que j'ai fait une genre de rétrospective, donc je ne vais pas vous les montrer les vrais. Montrer l'étoile, je vais vous les montrer sur mon carnet de suivi. Alors, sachant que j'ai commencé le départ en 2021. Alors, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Alors, ça a été ma toute première toile. On y reviendra après. Ensuite, ça a été celle-là. Ça a été celle-là en 2021. Celle-là, je les ai toutes vendues. Hein. Celle-là. Celle-là que je garde pour le moment. Pour justement la chose dont je n'ai pas envie de parler, que je n'ai pas le droit de dire sur les réseaux. Celle-là, qui est pour moi, quoi que j'accroche. Oui. Celle-ci. Ah oui, puis j'en ai fait une autre en plus. J'en ai fait une autre à ma mère. Voilà. Une de Noël, une petite. Une Kokeshi que j'avais dans un soin. Ce petit bouquet de fleurs que j'avais eu dans son soif également. Là, est-ce que vous allez le voir? Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Celle-ci. Ah non, celle-là, je l'ai fait en 2022. Donc voilà. Ce que j'ai fait en 2021 comme DP. Alors, mes projets pour 2022. Et ben en fait, mes projets pour 2022, je vais vous les montrer. Alors, mes projets pour 2022 en DP, je parle, c'est de faire alors, ça suffit. En bref, j'aimerais faire déjà ma toile vierge. Et allez, j'aimerais faire ce paquet de DP en 2022. Mais est-ce possible ou pas? On verra. On va continuer. Je me replace. Je ne sais pas quel. C'était le haut. As-tu fait connaître le DP à quelqu'un? Non. Dans mon entourage, personne ne fait du DP. Donc, non. Après, peut-être sur des gens sur Facebook, mais je ne le sais pas. Parce qu'on ne l'a pas dit. Mais sinon, oui, personne. Mes thèmes préférés. Alors, j'ai pas de thème préféré hein, pour les DP, franchement. Moi, je prends vraiment à ma guise. Hein. Donc, voilà. As-tu déjà fait une toile mystère? Non, pour l'instant, pour tout vous dire. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresserait de faire. Voilà. Alors, je finis juste de passer. Ma première toile, ben, je vous l'ai montrée, c'est donc, je vais vous la remontrer. Hein. Le petit papillon. Et ma deuxième, c'est celle que j'ai mise dans la chambre à ma mère. Donc, c'est ça ma première toile.
mais que j'ai raté malheureusement. Comment je fais mon choix de ma toile suivante? Ben en fait, je vais dans l'ordre où je les ai mises, où je les ai reçues. Donc, par exemple, là, je fais celle-là. Donc, on est où? Et ici. Ça va m'énerver, ça. Je sens. Donc, voilà. On fait donc là, on fait celle-ci. Donc, la prochaine, donc on va passer. Ce sera la Gorgeous Ourson. Donc, avec son petit ours. Et après la Gorgeous Ourson, ce sera celle-là. Voilà, je vais dans l'ordre chronologique. Le kit de... Alors, kit de rêve. Quel est ton kit de rêve? Alors, cette question, je ne sais pas si c'est dans ce sens ou pas. Est-ce que c'est un kit que je... Un DP que je rêverais d'avoir? Ben... Ouais, mais bon. Je pense que... Le jour où je pourrais me le payer, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Ce sera un DAC ou un Carhartt ou un Oraloa ou DIY Shop, etc., etc. Voilà. Est-ce que tu caches... Est-ce que je cache mes achats à mes proches? Donc, sachant que chez moi, il n'y a que ma mère et moi. Et non. Parce que je suis quand même assez raisonnable. Hein. Vous voyez, là, je me suis fait ces trois toiles, là, comme je vous ai dit précédemment, des cadeaux de moi à moi. Mais non. As-tu déjà offert des DP? Ben, j'en ai offert un à ma mère. Après, ben, j'en garde quelques-uns pour la chose que je peux pas dire. Si ma soeur les voudra. Sinon, ben voilà. Après. Les relations avec les multiplaceurs. Alors, moi, j'utilise que les multiplaceurs de 2 que j'ai acheté en acier, mais je ne sais pas où ils sont. Sur AliExpress. Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Les multiplaceurs de 3 et de 4. Les autres, je n'arrive pas du tout à m'en servir. Et après, je ne vais pas non plus tomber dans les multiplaceurs, même la roue là, qui fait les DP. C'est une roue, vous faites juste comme ça et ça vous fait déjà la moitié de la toile presque. Donc voilà. Mon espace ADP, ben, c'est mon bureau. Hein. Voilà. C'est ici. Voilà. Et quand il fait chaud, dans mon salon. Et si cet hiver il fait froid, vu que. On manquera de chauffage à cause de... Voilà. De la guerre en Ukraine et... Hein? Pas à cause de l'Ukraine, hein? Mais... voilà. Et bien, ce sera dans le salon aussi. Ma plus grande toile. Mais pour l'instant, j'ai fait que des 30 par 40. Ah non! Bah non, je suis bête. La plus grande toile, c'était la Bergamon, 40 par 50, celle-ci. Si je ne me trompe pas. Elle est où, Stanis? Elle n'est pas par là, elle est par là. Oui, 50 par 40, bon, en plus, donc ça fait une 30 par 40 image complète. Quoi. Juste l'image, celle-là. Donc voilà. Ma plus grosse toile réalisée. Et as-tu fait des projets avec les diamants restants? Alors, ma toile vierge que je suis en train de préparer, de peaufiner, de demander des diamants par-ci par-là contre enveloppe timbrée. Sinon, non, j'ai rien fait d'autre. Voilà, donc ça, je vous ai pas dit les questions, hein, mais là, je vais vous dire les questions, c'était 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Allez, question 43. Routine DP. Alors, ma routine DP, comment ça se passe? Mais je vais vous expliquer.
Alors, le matin, je me suis une couche tôt, donc je me lève tôt. Je me couche. Alors, si je suis hyper crevée comme hier soir, que je me suis couchée à 20h, mais que je me suis réveillée, bon, bref, voilà. Après, je me suis pas rendormie avant 1h du mat. Ce matin, j'en ai pas fait. Mais d'habitude, voilà, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait le matin, comme d'habitude. D'habitude, je me lève, je prends mon petit déj. S'il y a des vidéos de Lorraine, donc de la chaîne Diamant et Strass, j'attends 6h, jusqu'à 6h, je fais mon DP. En compagnie de certaines youtubeuses, hein, en ce moment c'est Karine ma passion DP. Voilà, hein. Ouais. Il y a des youtubeuses où je regarde en faisant du DP et d'autres où je les regarde, sont juste je les regarde. Voilà. Après, ben, quand je suis en vacances, j'en fais dans la journée dès que j'ai le temps, en compagnie des vidéos. Voilà. Comment je prépare mes nouvelles toiles? Alors, quand j'arrive, par exemple, quand je suis arrivée à la fin, à la moitié de celle-là, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, que je sépare en plusieurs petites sections. Par exemple, quand je vais avoir fait 3 lignes, je vais préparer un autre DP. Bon, sauf là, parce que je vais partir en vacances. Donc. Voilà, mais d'habitude, c'est ce que je fais. Ou j'en prépare 2 à la fois, ça m'évite... Voilà. Alors, mes objets préférés, ou que j'ai diamanté, ben, mes objets préférés, c'est ma petite barquette, ma grande barquette que j'adore. Parce que j'en ai eu marre des barquettes vertes et des barquettes sans... Les petites barquettes blanches, ou alors les grosses barquettes blanches, mais sans bec. C'était, mais je n'en pouvais plus. Ça, mes stylets. Après, ce que j'adore, c'est mes stylets que je me suis acheté moi, quoi. Hein? Celui-là, je l'aime, mais bon, c'est bof, quoi. Faut pas mettre de multiples sans pour rien faire. Mais bon. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis mis au DP, au tout début. Alors, ben, par exemple, qu'il y avait la colle coulée, la colle montée, la colle double face. Après, la colle double face et la colle coulée, j'étais au courant. Que c'était plus pratique de faire des sections. Ça, je l'ai appris quand même pas mal de temps après. Voilà. Est-ce que j'ai déjà fait des toiles perso? Non, mais je compte en faire une quand j'aurai évacué mon stock. Une voire deux pour ma soeur. Une pour ma soeur et une pour moi. Bon, même une pour ma mère. Mais il faut déjà évacuer le stock. Ce qui manque, que je suis accro au DP, ben. Je vais vous montrer, hein. Ben, si je suis pas accro au DP, on va compter combien j'ai de toiles encore à faire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi. Toi, tu me gonfles, tant pis, il faudra pas trop tôt. Voilà. Non. Ma poubelle est pleine, il faut que je la vide. Ça fait des jours que je dis ça. Et que je... Alors, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, non, 9, 11, 11, attendez, non, c'est pas comme 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, plus 3, 29. Donc, ouais, on va dire 30 DP à faire. De toute taille, hein.
ça, et puis après tous mes stylets que vous avez vus maintes et maintes fois. Voilà, hein? Je crois que ça, c'est des preuves. Donne-tu des noms aux symboles? Alors, oui. Il y a un symbole, on dirait un cachet. Alors, moi, des fois, je l'appelle le médicament ou le bonbon. Parce que ça ressemble en même temps à un cachet. C'est le petit symbole qui fait comme ça, attendez. Vous voyez? Comme un médicament, comme un doliprane. Même peut-être qu'un doliprane. Sauf qu'il n'y a pas le trou au milieu, quoi. Voilà. Le V pour dire vrai, j'appelle ça un checkmark. Je pense qu'après, ça s'appelle comme ça. Voilà. Après, il y a quoi? Ben, lisez. Étoile. Alors. Le signe hashtag, j'appelle ça hashtag ou dièse, hein, ça dépend. L'étoile du téléphone, j'appelle l'étoile du téléphone. Voilà. Hein? Chaîne que tu suis, les chaînes YouTube que je suis. Ben, je suis bon, Diamant et Stress, Anakat et leur création. Et quand je fais du DP, pour l'instant, je suis Karine, ma passion DP. Donc, je vous mets les liens, comme à chaque fois, en barre de description. Et la chaîne d'Emma, les folies d'Emma. Voilà. Et quelles sont tes passions autres que le DP? Eh ben, YouTube pour l'instant, mes vidéos, les vidéos des copines. Voilà, vidéos de DP quoi. Ben, sinon, il n'y a que le DP en vrai. Voilà. Des fois, le tricot. J'ai un tricotant, donc des fois, l'hiver, j'en fais. Mais sinon, ouais, c'est tout. Et enfin, la 52e question, et après on aura fini. Qu'as-tu pensé de ce quiz? De ce, oui, quiz. Eh bien, je l'ai trouvé très bien. J'ai notamment bien aimé la question 25, 26, 28. Attendez, je cherche. Cacher les DP, non, non. Cacher les achats, non. Tac. 28. Elle est où là, ce que j'ai mis tout à l'heure? Ce que je. Mais. Je suis bête ou quoi? Je vais dire encore moins, désolé. Et la question est 46. Voilà les questions que j'ai bien aimées, qui ont été pour moi très. Non, pas très instructif, mais bien pour s'il y a des gens qui veulent commencer le DP, ben moi vous me demandez comment on fait. Si vous voulez des tutos, hein, vous me dites, hein, tuto DP, tuto comment commander sur AliExpress, sur Shein, sur Amazon, après voilà, c'est pas non plus quelque chose de difficile. Donc voilà, donc moi je pense que je vais vous laissez pour ce vlog. Ouais, je fais des petits vlogs maintenant. C'est fini de faire des. Ouais. Je vous fais des petits vlogs maintenant. J'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. À part qu'il pleut chez moi. Ah oui, cette nuit j'ai mal dormi. Pourquoi? Parce que j'ai mal aux dents de sagesse. À ma dent de sagesse. J'ai rendez-vous le 30 juin. Sauf qu'on s'est dit, admettons qu'il t'opère la semaine d'après.
Tu vas manger quoi pendant qu'on va être en vacances? Des trucs en bouillie, ça va être... Tu vas pas te faire plaisir, entre guillemets. Tu vas pas pouvoir manger du poisson, du machin. Bref, voilà. Donc, on a décalé au mois de juillet. Quand on rentrera. Voilà. Et du coup, ben, hier, déjà avant-hier soir, j'ai eu très mal. J'ai failli dire à ma mère d'appeler un taxi pour que j'aille aux urgences. Je suis désolée, il n'y a plus le. Je vais mettre la lampe. Le flash, je vous ai mis la lampe. Enfin, petit vlog. C'est quand même une heure, hein. Presque, dans 10 minutes. Bref, ouais, de temps, je vous fais des petits, des grands, bon, alors je vous fais des vlogs. Hein. Et du coup, ouais, hier soir, je crois que je vais finir aux urgences. Hier soir, je me suis couchée très 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 tôt. Mais à 20h, pour les 20h30, hein, tu vas me dire. Du 9. Et je me suis réveillée à 23h25, parce que j'ai eu mal à ma dent. Donc tous les 6 heures je prends dans l'iprane. Là j'ai pas mal, ça fait. J'en ai pris à 5h du matin, j'ai pas mal. Croisons les doigts pour que ça dure. Ouais, donc après j'ai pas pu me rendormir avant 1h du matin parce qu'on peut se lever des jeunes. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y en a un qui a dû être pris sur l'île. Enfin, je pense pas qu'ils aient eu déjà les résultats du bac. Mais sur Parcoursup, qui a dû être accepté à Parcoursup ou je sais pas quoi. Parce qu'il rigolait. Le parc, il est à 500 mètres de chez moi. Non, pas 500 mètres. 200 mètres de chez moi. En face de ma chambre. Voilà, j'entendais tout ce qui se disait. Bref. On va faire du... On va regarder ce qu'on peut faire. Le B, j'en ai plus vu. Du F, est-ce que j'ai du F? Non. Du 7. Oui. Bon, je sors mes couleurs. Hein. Du 7, j'en ai 2. Ok, oui, parce que... Du 3. Yes. Du 8. Non. Du 4. C'est du 4? Commençons. 322. Je verrai après. Et j'ai pas de U et j'ai pas de 4. Donc c'est bon. Du F. F, F, F. Non. Je suis désolée, je suis enrhumée. C'est pas agréable, mais j'ai le rhume. Et on a rendez-vous au médecin que demain. Ah non, c'est le 5200 normal, ça. Du S. Du R, on va arriver. On arrive au fluorescent. Je vais essayer de vous montrer. Vous verrez pas, mais c'est vraiment fluorescent. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ouais, non, c'est trop sombre. Ce que je ferai, c'est que quand je vous ferai la revue, je vous montrerai voilà, avec de la lumière et tout. Et après, je vous montrerai dans le noir. Du R et c'est tout. Donc, où en étais-je de mon histoire d'avant? Ouais. Du coup, bah, j'ai très mal dormi. On va faire le 3. Et sinon, ben voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser. Et pourquoi j'ai... Ah oui. On va faire le 3 ensemble, puis après, je vais vous laisser. Donc, j'emmène mon DP ourson en vacances. Le petit ourson cœur, comme je l'ai appelé sur ce... Sur le cahier. On va faire encore un petit peu ensemble, hein, ça fait une heure. Ouais,
En 5 minutes, ça prend une heure. Et voilà. Oui. Bah non, en fait, je pense que je vais vous laisser. J'ai pas rien à vous dire, les amis. Et j'ai pas envie de faire de DP. Donc, voilà. Il faut que je fasse ça. Mettre en fonctionnement l'imprimante pour les papiers à ma mère que je vous verse si j'ai reçu mon mail moi. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc ce sera au mois de septembre, hein, vous le verrez, je suis désolée, mais j'avance assez vite dans mes vidéos. Donc voilà. Tout est en barre de description. Les deux codes promo que j'ai. Groupe Discord des Folies d'Emma, chaîne YouTube, mon matériel, tout ce que je peux vous mettre comme lien, je vous mets tout de chez tout sur YouTube. Donc, dans la barre de description, oui, sur YouTube. Oui. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!